Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à l'émission À l'affût. Mon nom est Louis Giguère et sans plus tarder, voici Vincent Cloutier, notre co-animateur et grand expert conseil en matière de chasse et de pêche. Bonjour, Monsieur Giguère. Bonjour, Monsieur Cloutier. Vous allez bien? Oui, vous aussi. Pareillement, très bien également. Est-ce que ça t'arrive, ça doit, j'imagine, de chasser sur des terres privées? Ouais. On n'a pas beaucoup le choix, hein, des fois. Oui, au Québec, bien, ça dépend des places au Québec, mais moi, je chasse juste sur des terres privées. Certaines, je m'arrange avec le propriétaire, donner une petite bouteille de vin, donner un peu de viande. D'autres, il y a des propriétaires qui disent, bon, c'est pour l'orignal, c'est 500 piastres la terre pour la saison. Puis, Mais il y en a qui... Plus la terre est bonne, souvent, pour l'orignal, plus il faut payer cher. Okay. Mais ça, c'est... Donne la viande, t'arrives avec une tranche de bacon, tu dis, oh, vas-tu, souvent, ça prend un peu de... Un petit peu de liquide un avec... Un peu de steak avec... Un peu de vrai steak ouais. avec ça. Parce que oui, on peut pas y aller sans demander la permission. Ouais. Ça serait un peu inconvenant. J'ai de ça. D'un terre public, oui, il y a... Mais souvent, il y a des chasseurs aussi, là, faut... C'est le respect des chasseurs sur les terres publiques qui est plus dur un peu. Là. OK. Bon, donc, on en sait un petit peu plus là-dessus, sur la politesse, en tout cas. Ouais. Tu vas nous parler de quelque chose, toi, là, ton petit truc. Oui, c'est un bâton de tir. À base, ça sert de bâton de tir. Pas de palette de tir d'érable. Non, non. C'est pour accoter l'arme à feu quand on vient de temps pour tirer. Celle-là, c'est un modèle, on va dire, de luxe. C'est un trépied. Il y en a qui sont juste deux, on va dire deux pattes, d'autres un monopode. Un peu plus pesant, mais beaucoup plus stable. Puis la plupart, il faut jouer avec chaque patte. Celle-là. Ils sont télescopiques, les pattes. Est-ce ouais. qu'on peut ajuster la hauteur? Oui. Puis qu'est-ce qui est bien plaisant, c'est qu'on a juste une petite poignée à peser dessus. Puis on peut, tout dépendant de notre terrain, vu que dans le bois, c'est pas tout le temps comme un plancher, on peut les mettre à hauteur qu'on veut sans problème. Puis une belle tête pivotante pour pouvoir tirer assez vite. Est-ce qu'on peut le mettre debout, voir? Oui, oui, oui. Je suis curieux de voir le... C'est ça ici, non? Non, finalement. Si on veut, on est capable d'y aller assez haut. Et pour ceux qui veulent filmer, on peut le faire aussi. On démanche la tête qui sert de tir et on est capable d'installer notre caméra. Aha. Vu que c'est un adapteur universel. Puis ça, pareil, on est capable. Et la journée qu'on a trouvé notre hauteur parfaite, on est capable de le barrer. Fait que nos pattes ne bougent plus, même si on pèse sur le système de gâchette. J'en veux un encore. J'en veux un. Ça, c'est merveilleux. Merci, Vincent. On s'en va voir notre reportage qui te met en vedette. Ah, oui. Que t'as filmé toi-même lors d'une chasse à l'orignal. Tout un périple. On va en parler un petit peu après. Je me suis amusé. On va aller voir ça. C'est le premier matin de chasse à l'orignal. Il commence juste à faire clair un peu. Je vais aller à mon stand. J'ai collé un petit peu, là. Après ça, je vais me promener un petit peu. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a de la terre. Je suis pas venu ici depuis début août. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Deuxième journée de chasse qui commence. Un résumé d'hier, il ventait sans arrêt. C'était l'enfer. Nos calls portaient pas du tout. J'avais pas de signe frais. À ma saline, ça fait un mois qu'ils sont pas venus. Ils pouvaient pas nous entendre. Hier, vers 5h30, ça a été le déluge. Faut pas oublier qu'on est dans la zone 4. Que c'est pas les territoires où il y a le plus d'orignaux. Ça va se passer aujourd'hui.
La deuxième chasse, la deuxième journée de chasse, ça n'a pas été la plus productive en termes de gibier. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de prospection. Ils sont pas ici. Il me reste à peu près une demi-heure, 40 minutes de chasse à ma deuxième journée. Mais je vais commencer à m'en aller tranquillement. Parce que j'ai au moins 35 minutes de marche. Troisième matin. Quelques signes encourageants, des pistes fraîches ce matin. Je les avais vus hier soir en sortant. J'attendais d'en avoir un petit peu plus, vu que c'était la pleine lune cette nuit. Je me suis dit que ça va se promener au fond. Belge les blanches ce matin aussi. La troisième journée de mon séjour de 4. Après ça, je vais revenir à carabine si j'ai pas récolté. On lâche pas, on reste positif. Quatrième et dernier matin pour la chasse à l'arc. C'est dur sur le moral des troupes un matin parce qu'ils ventent encore. Ça fait 4 jours. Faut pas lâcher, mais c'est rough. Pas une réponse. Go! De chasse à carabine. La chasse a ouvert samedi à carabine. On est mardi matin. C'est le premier matin que je chasse. J'ai concentré mes 3 jours de chasse mardi, mercredi, jeudi. Il y a plus de pistes fraîches que l'autre jour. C'est bon signe. On va caler un petit peu moins parce que le call est habituellement pas mal fini. On va essayer de quand même filmer le avant, pendant et après. S'il manque une étape, ben pas plus grave que ça. Mais on va tout faire. Tout seul, c'est pas évident. On est la deuxième journée que je chasse à la carabine. Il vient d'arrêter de mouiller, ça fait quand même 24 heures qu'il mouille. Quand je vous parlais des nouveaux signes que j'ai vus hier, j'ai ça. J'imagine qu'il y a une femelle, un veau, parce que la branche passée comme ça, qui est quand même assez récente, c'est probablement une femelle qui a cassé la branche pour mettre de la bouffe accessible à son petit. Notre séjour à l'Orignal finit pas mal comme ça, comme il a commencé, dans le vent. Je sais pas combien d'heures il a pas venté. On est allé au village hier, parler avec du monde. Tout le monde est tranquille dans le coin ici. Puis même dans la station d'enregistrement, il y a une baisse cette année. On va savoir pourquoi. Il parle de la tique, il parle de ben des choses. Il en vend de la viande à l'épicerie et tout. Mais c'est bon, d'Orignal. Fait qu'on va essayer de se faire inviter. J'ai du monde qui ont tué. Vous créerez pas à ça, maudit tabarouette. Quand tout m'en allait, j'ai dit, je m'en vais par le boucher. Lâche 2-3 petits caules, qu'est-ce que je vois dans le fond du bûcher? Un bac que je suis content. Allez travailler celui-là, il a versé là. Je m'en vais le voir. Ça, on va le filmer. C'est ça la bête, tabarouette. Ben content. Deuxième chasseur aussi content.
quand même des belles palettes. Comme je vous avais dit, il a tombé sur place. Morale de cette histoire, faut vraiment abandonner. Mais c'est un beau boc. Finalement, il va être bon à manger. L'ouvrage commence. On a réussi à l'embarquer. Là, il reste la grosse job à faire, sortir au chemin. Un peu de chaîne ça. Richard, il m'avait dit, tu-en, je le sors. Fait que je le laisse faire. Un morceau, ça sort. Là, on peut dire qui est sorti. On est rendu dans le grand chemin. On a eu de l'aide du propriétaire de la terre, Bertrand, qui est aussi maire de la super grosse municipalité de Emden, en Estrie. Thank you, Bert. Il est embarqué. Comment une seconde peut changer une journée? Tabarouette. On y a été de reculons au matin. Je partais avec l'idée de plus revenir ici. Ça sort, je tire ça. La vie est bien faite. Vincent, tu m'impressionnes. J'en reviens pas, franchement, là. Séjour, heureusement, ouais. T'as frappé. Mais t'as l'air tellement... Je sais pas comment dire. C'est le projet Blair, là, le film, là, où on dirait que t'as fait un mois dans la brousse, tout seul, la grosse pluie, le gros vent. Fait presque pitié. Non, je faisais pas si pitié que ça. Mais oui, c'était dur sur le moral les certaines journées. Ouais, puis je te félicite. Vraiment, là, tu m'as impressionné. Bravo. Merci. Puis bravo pour... La bête. La bête, oui. Et parlant de conditions météo, ouais. Parlons donc de météo, de chaleur et de comment sécher nos affaires, être au chaud et au sec, ouais. Par exemple, comme dans ton aventure. Oui. Pour commencer, on va parler de comment se tenir les pieds au chaud. C'est surtout pour quelqu'un qui fait du surplace. Moi, parce que ça prendrait long de fil, là. Si on marche, souvent, on n'a pas froid aux pieds. C'est vraiment si on est assis dans notre stand, ouais. Si on est à pêche à la glace, les travailleurs sur le bord de la route, ils utilisent beaucoup des choses comme ça. Il y a le petit chauffe-pied, que c'est juste un... On le sort de l'emballage, on shake un peu. Au contact de l'air, ça développe une chaleur. On colle ça en dessous de nos bas. Puis 8 heures de temps, ça va dégager une chaleur. 8 heures? 8 heures. Si on marche, plus ou moins, le fun aussi, parce qu'il y a des petites granules qui se déplacent. Fait que c'est vraiment pour faire du surplace. Que ma foi! Depuis quelques années, il y a des semelles chauffantes. Ces semelles-là peuvent durer jusqu'à 8 heures. Aussi. C'est des batteries rechargeables qu'il y a à l'intérieur. On met ça dans nos bottes. On les laisse là. Le soir, si on arrive, il faut les recharger. On est capable de descendre notre fil ou on les ressort un petit peu juste pour aller charger. La batterie est finalement... Sous le talon. Est sous le talon. Oui. Là où les batteries rechargeables. Oui. Ici. Fait qu'il faut recharger notre semelle. Les semelles aussi sont faites qu'on peut les tailler tout dépendant de la grandeur de nos pieds. Ah! Il y a différentes grandeurs, mais on est toujours capable de les tailler un petit peu pour que ça soit plus confortable dans nos bottes. Il n'y a pas de danger d'écraser les batteries. Les batteries, c'est sûr que si on marche beaucoup, c'est pas conseillé. C'est vraiment fait pour faire du surplace. L'autre modèle qui est un petit peu plus avantageux, c'est que
On peut toujours laisser nos semelles dans nos bottes. C'est la batterie qu'on recharge. Donc, nos semelles, si notre batterie rechargeable au fil des années vient plus bonne, on recherche juste les batteries. On peut avoir plusieurs sets de batteries si on part sur une expédition à chasse style Saskatchewan ou des choses comme ça. Tandis que dans la rouge ici, c'est inclus, c'est inséré dedans, il faut changer la semelle au complet. C'est vrai de ça. Bon. Ça marche avec une petite manette pour pas qu'on soit obligé de se rentrer la main sur le bord de la botte pour partir ça. À un moment donné, ça va être Wi-Fi, ça. Probablement. Et la dernière chose, c'est un feutre chauffant. C'est sûr que lorsqu'on achète un feutre chauffant comme ça, il faut emporter au moins une paire de bottes pour l'essayer, parce que ça ne rentre pas bien dans toutes les sortes de bottes. C'est nouveau. Moi, je pense que cette année, on va en vendre beaucoup pour les gars de motoneige qui vont pouvoir se faire chauffer les pieds dans leurs grosses bottes. Et ça, c'est un... ici un bouton, c'est ça? Oui, on off, avec le fil sur le côté ici pour le... le recharger aussi avec une batterie rechargeable, qu'on est capable de changer elle aussi la batterie. Puis c'est comme un fil, un élément qui se passe. Oui. Un plancher chauffant. Un plancher chauffant. Oui. Et si par hasard, il n'y a pas fait froid, qu'on n'a pas eu besoin de ça, mais qu'il a mouillé beaucoup, qu'il faut faire sécher nos bottes, on a différents types de sèche-bottes. Sèche. Ça dégage une mini chaleur. Pour pas, si ça dégagerait une trop grande chaleur, ça ferait fondre la membrane imperméable de nos bottes. Fait que ça dégage une petite chaleur. Souvent, c'est 8 heures qu'on laisse nos bottes, nos mitaines, notre équipement de hockey là-dessus. Il s'en fait électrique. Et pour ceux qui ont, un camp dans le bois, qui n'ont pas d'électricité... qui sont perdus, là. Propane. Là, sur le propane, fait qu'il est capable de faire sécher ses bottes, ses mitaines, ses gants, peu importe, sans problème. Et le petit modèle que j'utilise le plus, c'est vraiment le petit modèle portatif. Le Zeppelin. Que je tire dans chacune de mes bottes ou dans les mitaines. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Électrique ou... ou 12 volts automobile. 12 volts automobile. Fait que ça, je le traîne pas mal tout le temps dans mes bagages de chasse pour faire sécher mes bottes. Extraordinaire, encore une fois. Merci beaucoup, Vincent Cloutier. On remercie aussi Vincent Cloutier pour son reportage sur son aventure dans la brousse, la chasse à l'orignal. À vous tous et à vous toutes, merci d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de rester toujours à l'affût. Présenté en collaboration avec Pro Nature. Articles de plein air, de chasse et de pêche. 1056 Boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie. 418-386-5885. Passion Gourmande, située à Sainte-Marie, est un restaurant de fine cuisine sur réservation de 10 à 100 personnes. Repas du temps des sucres et aussi maintenant une école culinaire grand public.